Donc, il semblerait qu'un véhicule particulier, genre Peugeot Partner, circulait en direction de Moulins sur la RCEA, a, pour des raisons indéterminées, s'est déporté sur la voie de gauche et a été percuté par un poids lourd qui circulait en sens inverse. Et deux poids lourds qui circulaient derrière le véhicule particulier se sont mis au fossé pour éviter de percuter le véhicule. Deux personnes décédées, donc les deux personnes étant dans le véhicule particulier. Il n'y a aucun blessé, les poids lourds sont tous indemnes. Ça fait pas 40 jours. La messe de quarantaine pour les Portugais, les 12 Portugais, a lieu dimanche prochain. On n'a pas écoulé les 40 jours que déjà deux nouvelles personnes décédées sur cette route. C'est vraiment la tristesse et l'incompréhension. Il faut accélérer l'enquête publique, accélérer les travaux, faire le maximum. L'État doit intervenir pour raccourcir les délais de façon que les entreprises puissent attaquer les travaux le plus rapidement possible. 14 morts cette année sur la commune, sur 7 km.